Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation d'achat, toujours les mêmes achats, hein. Ça sera du Hot Wheels. Donc c'était le petit lot qu'il y avait en haut, en face de moi, donc derrière la caméra, il y avait un lot. J'avais acheté ça il y a à peu près, que je raconte pas de bêtises, 3-4 semaines dans un Auchan. Donc voilà, je vous les montre tout de suite. Pour ça, je vais la garder en dernière, pour moi c'est la plus belle. Alors, hop, on commence tout de suite. C'est avec le Mazda Repu blanc qu'on a déjà vu. Voilà, donc c'est du 2018. L09, voilà, 9e semaine de 2018. Le Repu blanc qui est magnifique, tout simplement. La tempo derrière. Vraiment très, très, très joli. Hein. Ben, j'ai tendance à préférer le blanc au gris sombre qui avait sorti. Alors derrière marqué Mazda Rotary Power. Alors Rotary Power, je ne sais pas trop pourquoi, mais doit bien avoir une signification. Voilà, donc celui-là, il me le fallait. Très sympa. Voilà. On va essayer de faire une vidéo courte cette fois. Le deuxième modèle que j'avais trouvé aussi, la BMW M2 2016 rouge. À savoir que je n'ai pas trouvé, je crois, la bleue encore. Mais il me semble que je l'ai commandée. Je sais plus. J'ai tellement d'affaires, d'échanges, d'achats, de machins, de ventes. Que voilà. Donc elle existait en bleu, grosso modo. Et maintenant, elle est sortie en rouge. C'est ce qu'il faut retenir en tout cas. Si ça se trouve, je l'ai déjà en bleu, je vais me dire. Je sais plus. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, si je l'ai en bleu, elle est visible sur sur mon blog. Parce que BMW, j'ai déjà tout mis en ligne à peu près. Voilà pour le deuxième modèle. Donc là, cette semaine, c'est pareil. L14. 2018, 14e semaine. Voilà. Le Custom Ford Maverick. Custom Form Maverick, Custom Form Maverick, voilà. La version bleue. Alors elle était sortie en blanc en début d'année. Donc là c'est la deuxième couleur du véhicule. Et Miguel s'était posé la question à l'époque quand il l'avait présenté, parce qu'il l'a présenté avant moi. Et d'autres aussi l'ont présenté avant moi. Que veut dire le U31? Eh ben j'en sais strictement rien. U3. Ah, c'est peut-être pas U31, c'est U3. Voilà. Sur le bas de caisse, il y a marqué U3. U3. What? Bon, je le dis en anglais, des fois que il y a quelqu'un qui comprenne. Voilà. What U3? Alors je sais pas du tout. Et sur le badge arrière, il y a aussi marqué U3. Donc là, je ne sais pas du tout. En tout cas, très joli. J'aime bien les jantes à 10 bâtons dorés. Très, très, très sympa. Très sobre. La tempo derrière. Très joli. Wally Walou. Le modèle suivant. Celui-là. Voilà. Donc, celui-là, elle est connue. Lamborghini Countach Pace Car. Voilà. Je te l'avais déjà montré le jour où j'avais acheté les miniatures Thierry Lambeau, donc voilà. Donc il y a marqué 50 ans sur le capot et sur la portière. 50 ans Hot Wheels, voilà. Alors faire un pace car avec une Lamborghini, ça c'est... je pense que ça n'existe pas. Mais très jolie cette petite Countach. C'est vrai que depuis que je te connais, Thierry, j'arrête pas d'acheter des lambeaux, hein, parce qu'en temps normal, je l'aurais peut-être pas prise. Merci, Thierry. Voilà. Donc, c'était quelle semaine? Si tu veux savoir, c'est le lot L14. L14. Allez, on continue avec celle-là. La Ford Mustang GT de 2015. Borgia. Borgia, Borgia. Très joli. Donc là aussi c'est la deuxième variante de couleur cette année. Ou alors que c'était l'année dernière qu'il y en avait une.
Ouais. C'est là que tu vois que je prépare pas les vidéos avant en fait. Hein. Moi, des fois, je peux raconter quelques petites boulettes, mais bon, ça fait partie de la chaîne. Voilà, en tout cas, je vous présente des modèles. Voilà. Et le dernier modèle qui est très sympa. Non, ça c'est quoi? L14 toujours. Le dernier modèle, je pense que je suis le premier youtubeur français à la présenter. Et quand je l'ai vu, il y a. Bah, c'est simple. Je l'ai vu la veille, je crois, sur internet. La veille que je l'ai acheté sur internet, chez un gros youtubeur américain qui faisait un unboxing. Et puis, paf, dans l'eau, je vois celle-là. Celle-là, il me la faut absolument. Ça, c'est vraiment le casting que j'adore. Et bah ouais, Hot Wheels, hein, il y en a toujours plein toute l'année, avec 365 voitures. Voilà, t'en as toujours plein qui sortent. Et bah celle-là, c'en est une que j'apprécie énormément, et peut-être que je suis le premier à l'avoir trouvée en France. La Volkswagen Beetle, en version échec, Pawn, Black. Elle est super jolie. Hop là, oh, le blister, il est top, hein, regardez. Ouais. Alors ça, je sais pas combien j'en ai. Hein. Comme ça. La petite tampo sur le capot. Sur le toit, pas sur le capot. Le châssis, il est en métal. Ah, c'est rare, hein, ça, pour une miniature. Ah, c'est tellement lourd que j'ai failli la lâcher. Hein. Ça fait plaisir, un petit châssis en métal. Il y en a encore. Ça fait plaisir. Oui, je sais pas combien j'ai de variantes différentes de ce modèle. Et ça, on ne peut pas aller le vérifier sur mon blog parce que j'en suis pas encore à la marque Volkswagen. J'en ai mis quelques-unes, peut-être déjà en ligne, mais j'ai pas fini. Il me reste encore au moins 2-3 000 modèles à présenter de variantes différentes. Comme d'hab, tu mets le pouce bleu, tu t'abonnes à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, tu regardes les autres vidéos, tu peux poser des questions, tu lâches un commentaire. Et on se donne rendez-vous d'ici 2-3 jours pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!